Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 1D du CRPE 2015, groupement 1. Voici l'énoncé. Partie D. Démonstration de la formule de pique dans le cas d'un rectangle. On considère un rectangle de pique de dimension quelconque, dont les côtés sont parallèles au réseau, comme dans l'exemple ci-dessous. On note grand L sa longueur, petit L sa largeur, I, le nombre de points du réseau strictement intérieur au rectangle, et B, le nombre de points sur le bord du rectangle. Question 1. Exprimer B et I en fonction de grand L et petit L. Question 2. En déduire que l'aire A du rectangle vérifie A est égal à I plus B sur 2 moins 1. Donc là, on a un rectangle grand L fois petit L. On va exprimer B et I en fonction de L et petit L. Alors, B et I en fonction de grand L et petit L. Donc B, eh bien ça va être le périmètre du contour. Donc là, on va compter. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7. Donc grand L. Plus donc 1, 1, 2, 3, 4. Donc la largeur. Et on fait 2 fois. Donc 2 fois grand L plus petit L. 2 fois grand L plus petit L. Et l'intérieur, eh bien ça va être L moins 1 fois grand L moins 1. On enlève une longueur ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est L moins 1. 1, 2, 3, L, petit L moins 1. Alors on peut vérifier. Donc ici on a grand L est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et petit L est égal à 1, 2, 3, 4, 4. Donc B est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et c'est égal à 2 fois 7 plus 4, 7 plus 4, 11, 11 fois 2, 22. I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc ça va être 6 fois 3, 18. Donc petit L moins 1, 3, grand L moins 1, 6, 6 fois 3, 18. Donc B est égal à 2 fois grand L plus petit L, I est égal à L moins 1, L fois grand L moins 1. On va vérifier que l'air c'est I plus B sur 2 moins 1. Donc l'air c'est L grand L fois petit L. On sait que B égale à 2 plus 2 grand L plus petit L. I est égal à grand L moins 1 L moins 1 petit L moins 1. Alors ici B sur 2 est égal à grand L plus petit L. I est égal à, donc ici, grand L, L fois L, moins grand L, moins petit L, plus 1. I est égal à grand L fois petit L, moins grand L, moins L, petit L plus 1. Ici on trouve l'air, donc I est égal à l'air moins grand L plus L, donc on factorise par moins 1. Et ici on va pouvoir factoriser par ici moins 1. Si bien que si on a A, bien ça va être R est égal à I, le moins il va devenir plus grand L plus petit L moins 1. Grand L plus petit L c'est B sur 2, donc I plus B sur 2 moins 1. Donc finalement l'air est égal bien à I plus B sur 2 moins 1. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.